Victorieux complet et paré à l'action, chef. Victoire Victorieux s'est garée dans le marais pour trouver une grenouille. Et maintenant, son véhicule, sa remorque et sa ponette sont en train de s'enfoncer dans la boue. Alors, pour cette mission, je vais avoir besoin de Ruben. Ruben met toujours la garde. Et de toi, Chase. Chase est sur le coup. Super! La patte patrouille part en mission. On a réussi! Oui, youpi! Bien joué! Maintenant, rattachons la remorque pour que Madame Victorieuse puisse rejoindre le concours. N'aie pas peur, ma grande. Tiens-moi ça. Je vais sauver ma ponette adorée de cette affreuse boue toute gluante. Vas-y, voltigeur! Je ne t'ai jamais dit que je voulais faire un bain de boue! Zuma, rejoins-nous vite au marais. Entendu, Ryder. Prêt à plonger dans l'action. Cette fenêtre ne va pas tenir longtemps sur ce tronc. Non, c'est pour ça qu'on doit l'arrêter à tout prix. Utilisons ces rondins de bois. Tu as vu ça, Voltigette? On t'a fabriqué un radeau. T'as été incroyable, Zuma. Merci, Ruben. Voltigette, tu es saine et sauve. Je vous remercie infiniment. Les héros à pattes? Non, non. L'équipe à fourrure. Non, plutôt le... La patte patrouille. C'est vrai, je l'avais sur le bout de la langue. À votre service. Si jamais votre ponette s'enfuit, il suffit de nous appeler. Patrouille au complet et paré à l'action, chef. Ryder? Ryder? Je suis sur le quad avec Alex, alors la préparation de la mission va être différente. On va super vite! Les freins de mon quad sont endommagés, donc on a besoin de votre aide pour s'arrêter. Mais avant d'arrêter le quad, vous allez devoir faire descendre Alex et en toute sécurité. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Stella. Ruff, prête pour un petit tour dans les airs. La patte patrouille part en mission! Ryder, je ne peux pas évacuer Alex pour l'instant. C'est trop risqué à cause des arbres. Qu'est-ce qu'on va faire? Et si on se retrouvait dans les airs? Je te tiens! Oh, cette balade était géniale! On doit attraper Ryder. Chien robot, on passe à la vitesse maximale. Désolé les amis, à cause de la vitesse, je n'arrive pas à rouler droit. Il faut trouver un moyen de ralentir le quad. Chase, tu peux lancer un parachute frein? Excellente idée, Ryder. Je m'en occupe. Je peux pas m'approcher plus. J'aurai qu'un essai. Je vise... Maintenant! Ouf! Parachute frein! Bien visé, Chase! C'est bon, ça marche! Le quad ralentit! Merci, vous êtes vraiment de bons amis. Ce n'est pas tous les jours que ma propre équipe vient à mon secours. Si tu es sur un quad équipé de mini-fusées qui filent à toute allure et que tu n'arrives pas à t'arrêter, il suffit de nous appeler! Au complet et paré à l'action, chef. C'est un sauvetage géant qui nous attend aujourd'hui. Le volcan gronde et de la fumée sort de son cratère. Il pourrait entrer en éruption et cracher de la lave à tout moment. Ça a l'air terriblement dangereux. Oui, et des dinosaures sont en train de paître dans une prairie au pied de ce volcan. Nous allons donc devoir les emmener dans un endroit plus sûr. Allons-y. Alors c'est parti. Pas de problème. Parfait. La patte patrouille part en mission. Entre en éruption. Ruben, creuse une tranchée pour dévier la lave jusqu'à ce canyon. D'accord, c'est comme si c'était fait. On est presque arrivé. Il ne nous reste plus qu'à traverser ce pont en pierre. C'est pas vrai. Comment on va faire pour traverser?
Rocky, Zuma, Stella, récupérez les arbres qui sont tombés pour combler le trou. Comme ça, les dinosaures pourront traverser. Excellent travail, les amis. Maintenant, faisons traverser les dinosaures. Vite, Ruben, il ne faut pas rester ici. La tranchée est prête. Allons-y. Ça a marché. Ouvre les yeux et vérifie. Oui. On a réussi. Ah, ça y est, le silence est revenu. Il t'a dit merci. Avec plaisir. Pas de patrouille au complet et paré à l'action, chef. Les chiens sauvages ont coincé le bus de Madame Goodway en haut de la spirale rocheuse, ce qui veut dire que Madame le maire et les touristes sont bloqués dans le désert. À l'aide! Alors pour cette mission, je vais désigner... Chascadeur! Fantastique! Je suis prêt à démarrer sur les chapeaux de roue! Et Ruben! Ruben met toujours la gomme, même en moto! Parfait! La patte patrouille part en mission! Oh, Ryder! Je suis vraiment soulagée de te voir! On est là pour vous aider. Ruben, commence à dégager le chemin. Je m'y mets tout de suite. Miaou! Propulseur super vitesse! Oh, ah. Miaou! Lance pelote de laine! Ouh, une corde raide! J'ai toujours voulu marcher comme un funambule! J'ai pas besoin que des gentils chiens viennent à mon secours. Et surtout pas un chat. T'es mieux, ce serait moins dangereux de... Les chiens sauvages n'ont pas peur du danger. Chascadeur, on doit reprendre le contrôle de ce bus. Ruben est en train d'essayer de dégager les rochers qui forment un mur tout en bas. Rétraction des griffes pinces. Adieu, ma jolie moto. Tiens-toi prêt. Vite, Ruben. Je viens d'avoir une idée! Un tremplin! Ruben a fabriqué un tremplin! Wow. Merci à vous, Ryder, Chascadeur et la motopatrouille! Vous nous avez sauvés! Si votre bus est volé par une bande de motards, il suffit de nous appeler! Pas de patrouille au complet, prête à l'action, chef! Un chien policier. Comme vous le savez, les petits chats du roi devaient venir à la Grande Vallée. Bah oui, mais pourquoi ils viennent plus? Ils ont disparu. Ce qui veut dire que nous allons participer activement à ces recherches. Chase, en charge de l'ordre public, c'est toi qui prendras en main les opérations. Compris, chef. Chase est sur le coup pour ce super sauvetage. Je vous demande d'accueillir chaleureusement les nouveaux membres des chatons qui sèment la pagaille. Mais pourquoi ne va-t-on pas plus vite? Allez, on se réveille. Vous ferez la sieste après. Et vous deux, là, au travail. Veuillez arrêter la machine, monsieur Ellinger. Poussez-vous, je n'ai pas besoin de vous. Il refuse d'obtempérer. Je crois que j'ai une idée. Rocky, Stella, j'aimerais que vous atteigniez au plus vite le bas de la prochaine pente. Stella, tu lanceras le tapis à clous depuis ton hélico. Rocky, tu le mettras en travers de la route. C'est parti! La loco arrive! Cette statue a... Où sont nos invités? Élisabeth, Henri! Bienvenue à la Grande Vallée. Merci encore, la patte patrouille. Tout le plaisir est pour nous. Si vous avez besoin d'aide... Il suffit de nous appeler. Patte patrouille au complet et parée à l'action, chef. Merci d'être tous là. On doit aller sauver un bébé stégosaure coincé dans un trou. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Rocky. Tu vas te servir des pinces de ta dino mobile pour déplacer un des deux troncs. J'ai aussi besoin de Rex. Tu vas utiliser ta dino pince pour déplacer l'autre tronc d'arbre.
En route pour un dino sauvetage. Et aussi de Stella. Quand la voie sera libre, tu sortiras le dinosaure du trou et tu l'évacueras avec ton dino-jet. Prête pour un petit tour dans les airs. Parfait. La Patte Patrouille part en mission. On va bientôt arriver près du stégosaure pris au piège. Vous allez voir, on y est presque. Je suis super soulagée que vous soyez là. Ce stégosaure en détresse est sérieusement coincé. Ça veut dire tiens bon, mon grand, on va te sortir de là. Au travail, Rocky, Rex, déplacez les arbres. Compris. Dino Pince. Un, deux, trois, tirez. Coopération, les amis. À toi de jouer, Stella. Sors le dinosaure du trou et évacue-le. Harnais. Ça va aller, tu verras. Il suffit de te placer dans le harnais. C'est bien. Voilà, il est dedans. Bon travail, Rex. Stella, remonte-le. Allez, c'est parti. Il ne me reste plus qu'à trouver un endroit pour le poser maintenant. Regardez, le bébé a retrouvé sa maman. Patte Patrouille au complet et paré à l'action, chef. Merci d'avoir fait vite, les amis. Le capitaine Turbo a un comportement quelque peu étrange. Il file à toute vitesse sur le skate à turbo de Danny. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Chase. À bord de ton véhicule tout-terrain, tu iras porter secours au capitaine Turbo avant qu'il ne blesse quelqu'un ou qu'il ne se fasse mal. Chase est sur le coup. Super! La Patte Patrouille part en mission! Chase, part à la recherche du... Capitaine Turbo? Ryder, je suis descendu une minute de mon skate et le Capitaine Turbo a foncé dessus! J'ai trouvé ça extrêmement bizarre! Fais-moi confiance, je vais retrouver ta planche, Danny le Hardy! Je m'appelle Danny X le Hardy! Faites attention, capitaine! Vous risquez de tomber! On dirait qu'il a du mal à nous voir et à nous entendre. Chase, il faut qu'il puisse entendre ta voix. On monte le volume. Ouf! Mégaphone! Capitaine Turbo! Chase, est-ce que c'est toi? Oh, ouf! Filet! Merci pour ce rattrapage périlleux. Oh! Ça y est, j'entends tout. Mais mes lunettes sont bel et bien perdues. J'ai quelque chose pour vous. Très bon travail, Zuma. Capitaine Turbo, vous pouvez remettre vos lunettes. Mille merci pour votre aide. Si jamais vous perdez vos lunettes, il suffit de nous appeler.